Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin. Mon nom est Chris Dikumana. Vous écoutez l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Et je remercie, comme d'habitude, ceux qui partagent les témoignages. Chaque samedi, je remercie ceux qui prennent la peine pour nous envoyer les témoignages. Celui qui envoie le témoignage manifeste un acte de l'amour. Parce que quand tu témoignes, ton témoignage va libérer les autres. Il y a beaucoup qui vont être guéris, beaucoup qui vont être délivrés à travers ton témoignage. Si tu as été transformé, si l'émission Kanguka t'a transformé, envoyez-nous vos témoignages. Si tu as été guéri, envoie ton témoignage. Chaque lundi, il y a des témoignages des gens qui ont été transformés. Et maintenant, vous allez écouter les gens qui ont été guéris. Il y a des témoignages de délivrance, des témoignages de guérison. Quand tu envoies un témoignage, tu n'as pas l'idée des gens qui vont être transformés, qui vont être guéris, qui vont avoir la foi à travers ton témoignage. Je rappelle que les émissions de Kanguka passent maintenant sur YouTube. Tous les jours, sur YouTube, il suffit d'écrire Kanguka français. Il y a les émissions et les témoignages. De lundi à dimanche, même dimanche soir à 19h, l'heure du Burundi, il y a les témoignages de Kanguka tous les jours. À partir de mercredi, il y a les témoignages du soir. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a les témoignages du soir. Il y a aussi les témoignages à 11h du matin. Les émissions de Kanguka passent également sur Facebook. Maintenant, il y a beaucoup de voies pour avoir accès à Kanguka. Si tu n'as pas sur YouTube, tu as sur Facebook. Si tu n'as pas sur Facebook, tu as Kanguka sur kanguka.com. Il suffit d'écrire kanguka.com. Il y a les émissions. Si tu n'as pas sur kanguka.com, tu peux trouver les émissions sur l'application de Kanguka. Donc, il y a beaucoup de voies pour avoir l'émission Kanguka. Mais pour avoir beaucoup d'informations sur l'émission Kanguka, allez sur kanguka.com. Là, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Pour ceux qui ne savent pas comment écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages parce que je vais prier après les témoignages, mais c'est mieux d'écouter les témoignages. Il y a des gens qui sont directement à la prière. C'est très important d'écouter les témoignages parce qu'il y a ceux qui guérissent en écoutant les témoignages. Tu peux même prendre l'émission qui est passée. Il y a ceux qui sont guéris en prenant l'émission de l'année passée. Peu importe l'émission que tu prends au Kanguka de samedi, aie la foi et tu seras guéri. Écoutez les témoignages et je vais prier après les témoignages. Shalom, shalom. Je suis Sénégalais vivant à Dakar. Je veux témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a fait des merveilles en moi. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis juin 2020. Une audio m'a été envoyée par une de mes collègues. Et depuis lors, j'écoute Kanguka chaque matin. Je suis les enseignements. Et je suis aussi les prières du samedi. Voilà, il y a un mois de cela, pendant que je participais à une des prières, le prince Ndoukoumana, il a prononcé une parole de connaissance, disant, il y a un homme qui a l'hépatite B, et le Seigneur le guérit. J'ai saisi la parole, et au même moment, je vous dis au même moment, j'ai senti une énergie, une sorte de chaleur m'envahir, envahir tout mon corps. Je me disais bien qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Oui, je me disais qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, que le Seigneur avait agi en moi. En effet, depuis 2007, je suis atteint du virus de l'hépatite B. J'ai été diagnostiqué suite à un don de rein que je voulais faire pour mon fils qui souffre d'une insuffisance rénale. Alors, on m'avait fait savoir que je ne pouvais pas faire ce don de rein parce que j'avais l'antigène HBS. Les médecins, entre-temps aussi, m'ont suivi pendant des mois, des années, presque 10 ans. Je faisais régulièrement des bilans sanguins et l'échographie pour suivre l'évolution de cette infection virale. Mais depuis que je suis Kanguka, je me disais que quelque chose de bien allait m'arriver après tous les témoignages que j'ai eu à entendre. Eh bien, pour revenir à cette prière, la semaine dernière, j'ai décidé de faire le test pour confirmer les dires du pasteur. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à le faire, parce que cela datait de 1 mois, et je demande aussi pardon pour tarder à témoigner. Alors, quand je suis allé faire le test, le résultat est revenu négatif. J'ai été vraiment stupéfait. Je n'en revenais pas. Je remercie le Tout-Puissant. Je remercie Jésus. Je le loue. Gloire à toi, Éternel des armées. Sois béni. Je bénis aussi Chris Ndoukoumana, sa famille et tous ses partenaires. Que le Tout-Puissant continue de vous aider dans toutes ses bonnes œuvres.
Merci à toi, Jésus, encore pour m'avoir délivré de ce mal. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une soeur béninoise, je vis au Bénin. Dieu a fait de grandes choses, de merveilleuses choses dans ma vie. En fait, c'était dans le mois d'octobre. Je suis allée à l'hôpital pour la consultation prénatale. On fait la consultation, on déclare que je suis séropositive. Donc quand on déclare que je suis séropositive, la sage-femme, elle a commencé à me parler, me consoler. Si elle commençait pas à pleurer, elle a commencé par me consoler. Et après cela, elle m'a donné les médicaments. Je vais commencer par suivre les traitements que j'ai pris. Quand j'ai pris les médicaments, je viens à la maison, je regarde, je dis ces médicaments. Moi, je ne peux pas prendre ces médicaments-là. J'ai acheté les médicaments. Je dis, il y a Dieu. Le médicament de Dieu que moi je vais prendre, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce médicament que moi je vais prendre. Et mon corps est ton temple. J'ai dit ça. J'ai quitté là. Je suis allé à l'hôpital encore. Je suis allé, j'ai fait encore le test une deuxième fois. C'est la même chose. Le mois de février, je suis allé encore à une consultation. On parlait de ça. La sainte-femme parlait de ça. Je ne savais même pas que Dieu m'a déjà guéri. Et puis, elle m'a prélevé, elle m'appelle, elle m'a dit, madame, vous êtes séropositive. Ce jour, je ne savais même pas comment je vais dire. Je remercie, j'étais pressée de revenir à la maison. Je remerciais mon Dieu au fond de moi, j'étais contente. Je ne savais même pas quoi dire. Bon, je dis, Dieu merci, je ne suis séronégative. Mon bébé aussi, il va bien. Là, je dis, Dieu merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que Kangoka a fait pour le monde entier. C'est pas les témoignages que moi aussi j'ai reçu, moi aussi ma guérison. Parce que je ne fais que écouter les témoignages des gens qui ont le virus du VIH/SIDA. Quand ils témoignent comme ça, je ne fais que pleurer. Je dis, Dieu, tu as fait pour ceux-là, tu le feras aussi pour moi. Aujourd'hui, Dieu l'a fait pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Je suis un Ivoirien. Je viens ce matin faire un témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens vous dire les merveilles et les miracles que Dieu a opérés dans ma vie. J'étais malade et par l'intermédiaire d'un camarade, j'ai eu Kangoka. Ce camarade est un médecin à la retraite. Oui, mais c'est incroyable. Il prie beaucoup. Et toute fois que je lui rends visite, il vous comprend ensemble. Il est chrétien comme moi. Donc, quand il m'a donné Kangoka, j'ai pris avec assurance. Il m'a dit, tiens, ton cas est grave. Parce que il faut reconnaître que mon corps renfermait toute pathologie. J'étais diabétique, j'étais hypertension. Et mes poumons à la dernière minute étaient infectés. Je ne pouvais pas marcher. Les docteurs m'ont dit de ne pas parler. De ne pas parler beaucoup, de ne pas faire des gestes. C'est dans le véhicule qu'on m'amenait, on me mettait pour m'envoyer à l'hôpital et on me ramenait. Et quand il m'a donné Kangoka, j'ai téléchargé. Quand j'ai pris et que j'ai téléchargé, dans le mois de 11e 2021, j'ai écouté, oui, le serviteur de Dieu a dit, toi qui as les poumons infectés, infection pulmonaire, l'Éternel te guérit. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, oui, c'est de moi que vous parlez. J'accepte, j'y reçois et je suis convaincu que tu m'as guéri. Le lendemain matin, moi qui ne marchais pas, j'ai décidé de courir de ma porte à de ma maison à la porte qui fait au moins 15 mètres. J'ai couru une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Je n'ai rien senti. Je ne suis pas essoufflé. J'ai mis mes bras par terre, mes pieds, j'ai pompé une fois, deux fois, jusqu'à 15 fois. Je n'ai rien senti, comme si j'étais jeune, comme si j'avais 10 ans. Et voilà, j'avais un examen en cours. J'ai dit, je ne vais plus faire l'examen. Après, j'ai décidé, deux jours après, j'ai dit, bon, je vais quand même faire l'examen. Et je suis allé faire l'examen avec l'ancienne radio, je suis parti. La radio sur laquelle mes poumons étaient infectés, je suis parti. On m'a fait un nouveau examen. Et on a fait l'examen, on a regardé que mon cœur, il n'y a rien. Sur mes poumons, il n'y a rien. Et on m'avait donné trois molécules de médicaments que je prenais. Ils ont dit, il faut jeter ces médicaments, ne les prends plus. Mais les jours qui ont suivi,
ce n'est pas facile de faire un témoin. J'ai commencé à avoir des troubles, des douleurs. Je me dis dans mon cœur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ou bien c'est pas parce que j'ai fait, mais ou bien quoi? Il dit, ce que Dieu a fait, ce qu'il a commencé, il va le terminer. Il ne fait rien à moitié. Mais il est fidèle à sa parole. Mon corps appartient à Jésus. Jésus va me guérir. Et toujours, chaque jour, j'ai pris maintenant 3 portables, j'ai téléchargé Kanguka, 6 à la salle, décharge, je prends l'autre. Et chaque jour, je suis venu à Croix, matin, midi, le soir, n'importe quelle heure, je regarde. Et jusqu'à la journée du 5, troisième mois, le serviteur de Dieu a dit, avant de commencer, que si vous êtes guéri, il faut que vous allez faire un examen. Pourquoi? Le docteur atteste que réellement vous êtes guéri. Alors, après avoir écouté la prière du 5 mars 2022, dimanche matin, c'était samedi, donc dimanche je suis parti prendre ma tâche, qui était d'habitude 17-18, ma tâche est 12,9, comme si j'avais 12 ans. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu, merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tu as commencé, tu vas terminer. Le lendemain matin, je suis allé faire la glycémie, examen de glycémie. Ma glycémie qui était montée 1, près de 60, c'était 1,35. Après, c'est monté. J'ai fait la glycémie, je regarde, c'est 0,94. Je rends gloire à Dieu. Kanguka, c'est pas un jeu, c'est la réalité. Oui, que Dieu bénisse son serviteur, Christ, et tous ceux qui intercèdent avec lui. Qu'il bénisse sa femme, ses enfants, et tous ceux qui financent. L'Éternel, on prie Dieu, je prie Dieu de façon que chaque jour qu'il crée, il fortifie son serviteur. J'ai reçu, vous pouvez aussi recevoir. J'encourage mes camarades de faire des témoignages, car il y a des témoignages qui m'ont marqué. Il y a une femme qui a dit que toute la nuit, elle était visitée par les maris de nuit. Oui. Et il y a une qui a dit que le Saint-Esprit m'a opéré. Ces témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'ai trouvé que Dieu est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Voilà. Et j'ai dit, ce qu'il a fait pour vous, il va faire pour moi. Je remercie et j'ai béni tous ceux qui font des témoignages. Parce que c'est à travers eux qu'aujourd'hui, j'ai reçu cette délivrance. Je suis libéré. Je suis libéré du joug du diable. Je suis guéri. J'ai béni le Seigneur. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante au Cameroun. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je viens bénir le nom de l'Éternel aujourd'hui parce que le Seigneur m'a guéri de beaucoup de maux dont je ne connaissais même pas. L'Éternel m'a guéri de l'hémorroïde interne. Car ça faisait quelque temps, je dirais quelques années, que j'ai souffert de l'hémorroïde interne. Quand j'allais à la selle, c'était le sang qui coulait en abondance. J'ai connu Kanguka à travers un groupe où il y a une dame qui a demandé un conseil parce que sa sœur avait un problème du cancer du col de l'utérus. Et il y a une autre qui lui a répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka. Je me suis demandé, mais Kanguka c'est quoi? Parce que nous connaissons les faux prophètes qui pullulent là-dehors. Alors un autre jour, j'étais dans le groupe, il y a une autre dame qui s'est aussi, elle demandait aussi conseil de cancer, qu'elle avait une sœur qui avait le cancer. Et on lui a aussi répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka. C'est comme ça que celle-là a expliqué comment il fallait télécharger Kanguka. Elle a demandé qu'il fallait aller à Play Store. C'est comme ça que je suis allé à Play Store. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à écouter. La première fois que j'ai écouté, j'ai été frappé par l'enseignement du Christ du Kumana qui a apporté beaucoup dans ma vie. Et un soir, j'étais allongé dans ma chambre. J'écoutais Kanguka, la prière de samedi, je ne sais plus quel samedi. C'est là où le pasteur a dit, il y a une dame qui est allongée sur le lit. Le Seigneur te délivre de l'hémorroïde. Et j'ai senti au niveau de l'anus, quelque chose me piquait très violemment. J'ai crié, c'est comme ça que j'ai guéri de l'hémorroïde. Je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner depuis, parce que c'était au mois d'août 2021.
Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de faire des choses vraiment dans ma vie, de me délivrer des choses dont je ne savais même pas. Chaque fois que j'écoute des témoignages, je vomis, il y a des crachats, des manifestations. Je rends vraiment gloire à Dieu et à Dieu dans Kanguka. Je vous remercie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien vivant en France. J'ai entendu parler de l'émission Kanguka pour la première fois par le bien de ma sœur qui vit en Suisse. Et quand elle m'a envoyé l'audio, elle m'a parlé. Elle m'a dit vraiment d'écouter. Et j'ai écouté pour la première fois, mais j'avais pas vraiment prêté attention. Mais comme moi-même, j'étais un jeune homme, je suis un jeune homme qui voulait vraiment une délivrance et qui voulait vraiment donner sa vie à Dieu, j'ai commencé par écouter. Et bien avant ça, j'étais un jeune rempli, mon intérieur était rempli, j'étais rempli de péchés, fornication, masturbation. Et ça fatiguait mon esprit. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. En écoutant, un jour, un samedi, le 26 février, j'ai écouté les témoignages et après, je me suis ingénué pour prier avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une personne alcoolique qui est délivrée de la boisson, de l'alcool. J'ai dit, je reçois. Et il a dit encore, il y a deux personnes qui sont délivré de l'esprit de la masturbation, j'ai dit je reçois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et quand on a fini la prière, j'ai commencé à sentir le mal dans tout mon corps. Et je savais que, comme j'avais déjà écouté les témoignages, donc du coup je savais que ce mal-là était dû à une délivrance. C'est comme ça que j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit ok, va encore dans ta chambre, ingénue-toi et prie. C'est comme ça, je suis revenu, je me suis ingénué, j'ai prié. Quand j'ai fini, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé après, tout ce mal était parti. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter Kanguka, matin, midi, soir, j'écoute. En allant au travail, à midi, quand je prends ma pause, j'écoute. Le soir, quand je rentre, j'écoute. Et c'est comme ça, le mardi, j'étais couché dans ma chambre. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais rentrer dans les archives et je vais écouter les témoignages et faire une prière. C'est comme ça que j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté et au moment de la prière, j'ai porté un t-shirt et je me suis engenué. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier. Frères et sœurs, je vous assure, en priant, j'ai vu une forte lumière et j'ai pris peur. J'ai commencé à prier, mais avec la peur. Parce que cette lumière, c'était une première fois. Et quand j'ai fini la prière, je me suis endormi. Mais je me suis réveillé vers 3h du matin. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter. Écouter les conférences que l'homme de Dieu avait déjà fait. J'écoutais. Et c'est comme ça, je dis bon, comme il s'est fait, il était, je crois, vers 4h, 5h moins du matin. J'ai dit bon, je vais m'ingénier pour prier. Comme ça, je vais m'apprêter pour le travail. C'est comme ça, quand je me suis ingénué, j'ai commencé à prier. Frères et sœurs, je vous assure, cette même forte lumière-là est apparue dans ma chambre. Et j'ai été visité par le Seigneur, frères et sœurs. Ma chambre a été éclairée de la présence de Dieu notre Seigneur. Et il y a une voix qui me parlait. Que l'homme de Dieu, Christ, était un véritable homme de Dieu. J'écoutais. La voix me parlait. Continue de prier. J'ai dit, j'ai compris. La voix me parlait. À un moment donné, j'ai commencé à sourire. J'ai commencé à être heureux. J'ai dit, mon Seigneur, je te vois. Et je voyais cette forte lumière dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai commencé à manifester. Et là, il y a une voix qui me disait, tu vas témoigner. J'ai dit, oui, je vais témoigner. Et c'est comme ça. J'ai commencé à manifester et à un moment donné, j'ai senti quelque chose sortir en moi qui s'est mis au coin de ma maison, mais sur mon côté gauche. Et à mon côté droit, il y avait notre Seigneur, mon Dieu Jésus qui était là, qui me donnait des boules de feu et je lançais ça sur le démon. Après de 3 reprises, je prenais les boules de feu, je lançais. Et c'est comme ça, le démon a dit, je m'en vais. Et j'ai commencé à manifester. Et après, je suis tombé
par terre dans ma chambre. Et j'ai commencé à souffler, souffler, souffler. J'ai soufflé un grand feu. Et le démon est parti. Le démon a dit, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il est parti loin. Il a dit, je quitte. J'étais là, je manifestais, je parlais, je parlais, je parlais, je disais. J'entendais des voix qui disaient, c'est fini, on peut plus entrer en lui, on peut plus entrer en lui. Que son Dieu est fort, son Dieu est fort, son Dieu est vivant, on peut plus. Et c'est comme ça, j'ai commencé à manifester. Et je me suis couché et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Il y a une voix qui me disait de continuer de prier, que de continuer à rendre service. La voix me parlait, la voix me parlait. Ma chambre a commencé à être éclairée de partout. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu. Je viens par ce témoignage dire à mes frères et sœurs, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on s'éloigne de Dieu, ce n'est pas bon. Donnons notre vie à notre Seigneur. Il est vivant. Il m'a rendu visite. Moi, je l'ai vu. Il m'a rendu visite. Frères et sœurs, je vous assure, il m'a rendu visite. Et frères et sœurs, je vous demande d'écouter Kanguka, parce que l'homme de Dieu, Christ, est un homme de Dieu, est un véritable homme de Dieu. Donnons notre vie à Jésus. Je remercie l'émission Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je remercie sa femme. Je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse toute l'équipe Kanguka. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonsoir. Shalom, shalom, frère en Christ. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je suis venue passer mon témoignage. J'ai reçu le bien de Kanguka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi. Parce que chaque fois, j'allais toujours chez elle, aller me lamenter, je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Tout le temps, elle me sentait toujours triste. J'étais toujours dans les lamentations. Tout le temps, je me plaignais de la vie. Les choses ne marchaient plus bien. J'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce. Et puis, j'étais abattue. Un jour comme ça, j'arrive à ma tête chez elle. Elle me dit, Anadesh, toi, tu as quel problème? J'ai dit, ma sœur, je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie. Je suis allée à l'église, je prie à l'église, je suis une évangéliste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Elle m'a dit, bon, attends, je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie. Et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça. J'ai dit, c'est quoi encore? Elle m'a dit, non, attends, reste tranquille. Tu es à WhatsApp? J'ai dit, oui, je suis à WhatsApp. Elle a pris mon numéro. Elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone. Elle m'a dit, tu as écouté? J'ai dit, ah, mais ça, c'est quelle histoire? Elle m'a dit, non, c'est Kanguka, franchement, tu n'es pas au courant de ça. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant de l'histoire de Kanguka. Je n'ai jamais même entendu parler d'ici. C'est une émission qui existe depuis. Elle m'a fait écouter les témoignages. Elle m'a fait écouter certains messages. Elle m'a dit, prends ça, ça va te réconforter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me montrer comment télécharger. Elle m'a montré comment télécharger et rentrer dans l'application Play Store et tout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Quand j'irai à la maison, j'irai faire. Arrivé à la maison, je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai fait peut-être une affaire de 6 mois. Je ne téléchargeais pas. Mais sauf que, elle m'envoyait des audios. À un moment, quand je rentre à WhatsApp, je vois les audios, je clique. Bon, je voyais un homme. C'est qui encore? Mais après, j'ai vu Kanguka, j'ai dit, ah, donc ma copine m'avait parlé, j'ai dit, ok. Elle a envoyé les audios, j'ai écouté, j'ai mis de côté. Un an après, elle me dit, Nadège, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu écoutes vraiment les audios? J'ai dit, ah oui, elle me dit, non. Parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kanguka, là, je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter là. J'ai dit, non, ça va aller de toutes les manières. Je suis un peu... Elle me dit, non, ne te décourage pas. Écoute ces enseignements-là avec l'homme de Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé. Je dis, ok, je vais voir. Après télécharger, je suis arrivée à la maison, je n'ai jamais jeté coup d'œil. Je suis revenue à mon étalage au marché. Je croise un de mes amis qui me raconte... Il me parle l'histoire de Kanguka. J'ai dit, mais au fait, je dois avoir cette application-là dans le téléphone. Il me dit, tu ne dois pas louper cette application-là, ma sœur. Donne-moi d'abord ton téléphone. Quand il vérifie, effectivement, c'est téléchargé, mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil. En rentrant à la maison le soir, je dis, bon, je vais un peu essayer de me concentrer.
j'ai écouté l'homme de Dieu parler, le message. Le soir, les témoignages, j'ai écouté. C'était un vendredi. Le samedi matin, avant d'aller au marché, je suis venue à la maison. Écouter? Non, le vendredi, j'ai écouté. Jeudi, j'ai écouté. Vendredi, j'ai écouté. Et j'ai attendu la prière du samedi. Samedi, avant d'y aller au marché, à 7h00, j'étais déjà dans la chambre. L'homme de Dieu a commencé, les messages ont commencé, jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière. Je me suis mise au bord de mon lit, en position de prière, comme j'ai du mal avec les genoux à me mettre longtemps. Je me suis mise au bord du lit et l'homme de Dieu a commencé la prière. À l'instant même que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à frissonner, bâiller, cracher. Je dis, ah, là, je pense que c'est mon jour de visitation, à peine même. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu. J'ai été saisie le même samedi, la même semaine que l'homme de Dieu. Que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner. J'ai retardé à témoigner, ça peut faire aujourd'hui 6 mois. J'ai retardé de venir faire mon témoignage, que Dieu me pardonne. J'ai été saisie dans la chambre. J'ai frissonné. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à bâiller, jusqu'à j'ai roulé à terre comme un serpent. J'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas. Ma bouche s'est mise de travers. J'ai bâillé, je me suis relevée, je suis retombée du lit. J'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros boa qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée, épuisée sur mon propre lit. Je me suis sentie vidée jusqu'à... J'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les articulations. Comme si c'était un monstre. C'est un monstre qui est sorti en moi en me disant je pars, je te libère, je ne veux plus rester au milieu de toi. Je pars, je m'en vais, je te libère, je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps. Je pars, jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte. Chers frères en Christ, ce témoignage, le premier samedi, non. Je n'ai pas pu, je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée que j'ai dormi. J'en ai tellement. La transformation, j'ai reçu une transformation de Kanguka après la délivrance de ce bois qui est sorti en moi. J'ai reçu la transformation. J'ai arrêté de boire. J'avais un petit ami qui venait chez moi. Puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié, vous vivez toujours dans le péché. J'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à... Je ne peux pas être délivrée et ne pas conserver ma délivrance que l'homme de Dieu nous demande de conserver nos délivrances, de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas faire ceci et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Ce qui veut dire que j'ai demandé, j'ai tout arrêté. Et le vin, et la boisson, et les bois de nuit, et sortir avec les hommes qui ne sont pas... J'ai tout arrêté, j'ai demandé à mon... de partir, je ne veux plus voir quelqu'un. Et je vis ma sainteté, je suis comme ça, je vis comme ça, dans la crainte de mon Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et j'ai eu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrances. J'en ai même eu beaucoup de délivrances. Parce qu'à chaque samedi que je me mets, il y a toujours quelque chose qui sort à moi. Et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi. Les lamentations sont parties, quel qu'en soit le problème, les lamentations sont parties, je ne me lamente plus, un moment je suis là, je garde mon calme, si je suis un peu étouffée, je prie Dieu, je loue Dieu, je chante Dieu jusqu'à ce que ça apaise mon cœur. Frère et sœur en Christ, c'est ça mon témoignage, parce que ça fait longtemps, il fallait que je témoigne depuis le mois de septembre jusqu'alors que j'ai reçu cette délivrance-là, je n'ai jamais témoigné. Donc j'ai pensé à venir faire mon témoignage. Shalom, shalom, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont témoigné, tous les gens que vous venez d'écouter, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi et Jésus les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris à travers leur foi. J'aime beaucoup le passage où Jésus a guéri un lépreux. Et c'est dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Un lépreux est venu à Jésus. La Bible dit au verset 40 qu'il s'est jeté à genoux. Il était tellement humble. Jésus est touché quand on est humble. Et le lépreux a dit à Jésus en le suppliant. Et il a supplié. Nous allons supplier Jésus parce que c'est important qu'on soit humble dans la prière. Et il a dit des paroles puissantes. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous comprenez combien il était humble. Il a dit, je sais que toi tu le peux, mais est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça a beaucoup touché le cœur de Jésus parce qu'au verset 41, on dit que Jésus était ému de compassion. Il était vraiment touché par cette humilité de ce lépreux. Il a étendu sa main, il a touché le lépreux, il a tout simplement dit, je le veux, sois pur. Et au verset 42, on dit qu'aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. J'aimerais te dire que Jésus veut te guérir, il veut te délivrer. Sois humble. Nous allons prier en toute humilité au nom de Jésus et nous verrons sa main. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, à un endroit calme. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui vont voir des manifestations sur leur corps. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si j'en cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas guéri. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Père éternel. Je viens devant toi, dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance, nous venons par humilité. Merci Seigneur pour ta visitation, merci pour ta force, merci pour ta puissance, au nom de Jésus, je viens dans ta présence. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour cette femme qui souffre de la dépression que tu as guérie. Tu l'as visitée. Toi qui prie pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence Seigneur. Merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière, qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est délivrée. Toute une maison. Au nom de Jésus, que cette sorcellerie, que tous les plans, tous les liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit, tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie Seigneur parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que vous priez pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de se rouler par terre au nom de Jésus. Que ces démons la lâchent. J'ordonne, je parle, je m'adresse à ces démons, ces esprits qui sont dans ce corps, qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui viens de passer 12 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi, il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand tu auras ces jumeaux, il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu
5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui est sans de douleur, beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Et la foi. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins. Toi qui souffres du cancer, du foie. Le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer, du foie. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les deux personnes qui sont guéries des migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter les bruits. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tu viens de te gratter partout. Tu sens les démangeaisons. Le Seigneur te guérit. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Et un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant, prie avec moi. Et la foi. Si tu as avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a 3 personnes qui ont le virus VIH, qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida, toi qui as le virus VIH. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Si tu souffres de la constipation et la foi que le Seigneur t'a visité, il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Si tu as un problème de nerf sciatique, mets ta main, garde ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si tu souffres de l'impuissance sexuelle et la foi que le Seigneur te guérit, il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Merci, 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 parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes. Mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges. Tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou, côté droit, garde ta main sur le cou parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital. Tu es en train de prier. Tu écoutes la prière. Tu es dans l'hôpital. Le Seigneur te délivre. Tu vas sortir de l'hôpital. Tu vas sortir vivant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la visitation. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont touchés. Merci Seigneur parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui ouvre, même si tu n'as rien senti. Et la foi que tu as été visité, Éternel des armées, Alpha et Omega, nous te remercions pour ta visitation. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.